Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un jeune tablier, la nouvelle génération. Vous ne saurez ni son nom, ni où il habite. C'est la seule condition pour réaliser l'interview. C'est un jeune converti. Il a 25 ans. Il a découvert l'islam il y a 2 ans, grâce à l'un de ses amis africains. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, il se fait appeler Ibrahim. Il y a 2 ans, c'était David. Amin. David, c'était vraiment ma période, moi, en tant que chrétien. Maintenant, Ibrahim, c'est musulman. David a toujours été très croyant. Autrefois, avant, c'était un catholique très pratiquant. C'était le livre de support lorsqu'on fait le catéchisme. Et avec les enfants, je leur lisais les histoires. Ah, parce qu'en plus, tu faisais du catéchisme. Je faisais du catéchisme, oui. J'ai même été enfant de cœur. Il y a des photos qui sont... Pour tirer un trait définitif sur son ancienne religion et prouver son attachement à l'islam, David s'est fait circoncire. Le fait d'avoir fait la circoncision, là je me suis dit, ça y est, maintenant je suis musulman et quoi qu'il arrive jusqu'à maintenant. Ça a été difficile? La circoncision? Alors, vous savez, lorsqu'on est, on est plus âgé, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est douloureux. Mais ça, c'est un sacrifice qu'on doit faire pour Dieu. Comme tout musulman pratiquant, Ibrahim fait ses 5 prières par jour en direction de la Mecque. Mais en réalité, il en fait encore beaucoup plus. Ibrahim est plus qu'un simple croyant, c'est un tablir. Tous ses moments libres, il doit les consacrer à la prière. Hier, j'ai dû passer une bonne partie de la nuit à prier, plus les prières obligatoires. En gros, j'ai dû passer 4 heures, voire 5 heures de prière. Mais ce n'est pas tous les jours. Et il n'y a pas que les prières. Être tablir, c'est aussi suivre des règles de vie très précises. Ces instructions sont rassemblées dans cet ouvrage. Le Jardin des Vertueux, c'est le livre de chevet des tablirs. Dans sa vie quotidienne, un vrai fidèle doit imiter tous les faits et gestes du prophète. Devoir de prendre l'habit de Dieu pour la prière, le devoir de prendre conseil auprès des autres. Et peu importe si celui-ci a vécu au 6e siècle après Jésus-Christ. Il est recommandé de manger avec les 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur. Il y a cette position-là, hein, tout simplement. On se met comme ça et puis on mange avec les 3 doigts. C'est la position du prophète, ça. C'est la position du prophète, oui. Et il y a aussi la position du prophète pour dormir. Comme ça. Voilà. On s'endort, on s'allonge en direction de la Qibla, en direction de la Mecque. Non, Ibrahim a le zèle des nouveaux convertis. Assalamu alaikum, tournant. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, il est devenu un vrai tablir, un vrai missionnaire d'Allah. Tu as déjà réussi à faire se convertir les gens? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment très, très, très fort. C'est pas moi qui fais convertir, c'est Dieu. Mais être la cause, c'est quelque chose de formidable. Et tu es à l'origine de beaucoup de conversions, tu crois? À l'origine, on va pas dire à l'origine, mais oui, il y a eu pas mal de monde, Combien à peu près? Combien, les chiffres, peut-être 10 000 personnes.